Bonjour tout le monde, c'est moi et on se retrouve pour le premier épisode de Skyfight. Christophe Epine, ok je m'en fous. Je vais le prendre une fois que je serai à ma base. Donc paradoxe d'après ce que je vois. Oups, d'après ce que je vois. Et peut-être déjà sa base. Petit épisode tout de suite. Voilà, relégeant. Donc je vais faire 15 minutes moi, parce que c'est vrai que Para fait 21 minutes, mais il est mort. Donc, je vous invite à voir la vidéo présentation pour tout ce qui est règles, la vidéo présentation de Para. Voilà. Donc je tiens tout de suite à gagner beaucoup d'avance. Enfin, s'il l'a pas pris, mais normalement il l'a pas pris. Normalement il l'a pas pris. Oups, c'est pas ça ce que je voulais. C'est pas ça que je voulais faire. Non, elle est pas coupée. Parfait. Du coup moi je vais essayer de prendre pas comme ça, comme ça. Je vais essayer de me faire cet arbre où il y a un coffre dedans. Ce serait génial d'avoir le coffre. Mais bon, pour cela, je vais pas casser l'arbre, histoire de tout de suite commencer à troller. Vu qu'on a le droit, de placer tout ce qui est bleu. Enfin, on a le droit de placer des blocs, on n'a pas le droit de placer de la TNT, voilà. Ben, c'est pas ça que je vais me faire. Mais c'est pas grave. C'est plus ça. Voilà, on continue, on va récolter un peu de bois. Je suis assez stressé, moi. Enfin, moi. Para aussi doit être stressé. Je sais pas. C'est vrai que Para a l'habitude, il a participé à pratiquement tous les FK. Moi, non. Ok, je commence à monter. Et ce n'est pas du cheat, si on peut vous le dire. Je ne cheat pas. Bon, va falloir que j'enlève vraiment tout. Ok, donc. On a le premier coffre. C'est super. Un spawner à cochon. Des crochets. Deux poules. De la redstone. De l'expérience. Épée butin. Deux auras de feu. Ouais. Des repeaters, des bibliothèques. Ok. Je vais laisser le coffre aussi. Slash wither clear. Je réfléchis à ce que je voulais dire. Oui. Pareil, venu me voir et m'a fait. Il y a vraiment trop de pluie, donc tu peux l'enlever. Donc on vous rappelle qu'on filme avec avec le micro de merde, donc c'est normal si vous entendez, enfin si vous croyez que c'est à peu près les mêmes voix, même si moi je suis, enfin je pense que je suis beaucoup plus stressé que Para. Après ça c'est mon avis. Ok, donc on a pris le premier coffre, c'est super. Je vais pas crever. Lamentablement. Cool. Pour le moment, tout se passe bien. Si dans mon under chest, qu'est-ce que je vais poser? Je vais poser du poulet. Je vais poser les œufs. J'ai plein de trucs à poser. Les fioles d'expérience aussi. Pour quand j'aurai une table de craft. Une table d'enchant. On est parti. Okay, l'épée. Après tous les pans en fer, on a comme la rose qui est supra cheat. Après c'est mon avis. Mais elle est supra cheat. Donc
Pour info, la rose, c'est moi qui l'ai fait. Le petit troll, dès le début que j'ai fait, c'est... Je sais pas si vous avez vu, c'est le mince. Je pense que Paral les a peut-être montrés. C'est le nénuphar. Plein de pommes ou plein de pousses. Tu vas tomber toi si je fais ça. Est-ce qu'elle aura de feu? Elle aura de feu. On a du steak qui est cuit. Mais qu'est-ce que tu... Non. Ok, cool. Ok, c'est mauvais, mais pas. Ok, donc pareil est allé ici. Il y a une vache ici, mais elle est suicidaire. J'ai du steak cuit si jamais... Voilà. Je ne sais pas quoi ça va me servir. La vache. La vache essentielle. Stressé. D'ailleurs, Param a dit qu'il comptait faire d'autres saisons. Moi, ça me dérangerait pas. Ok, on a déjà déposé pas mal de stuff. Étant donné que c'est un under chest, excusez-moi. Je crois que ça fait deux fois que j'ai fait. Je peux pas savoir ce que para. Je vais quand même aller voir. J'ai pas le droit de poser de bloc. C'est pas grave. C'est parti du jeu. Heureusement que j'ai pratiquement posé beaucoup de choses là-bas. J'aurais dû poser un peu de bois quand même. En soi, c'est gênant, mais pas trop. Enfin, comment vous expliquer? C'est gênant, oui, mais ça passe encore. Le sprint de malade. Au moins, comme ça, personne récupérera l'épée au ras de feu. Donc voilà, donc, ça fait partie du premier troll. Je tiens tout de suite à vous le dire, c'est moi qui uploaderai mes vidéos. Enfin, les vidéos sur la chaîne, enfin, mon point de vue. Et c'est pas que upload son point de vue. Voilà. Donc le titre, comme vous pouvez certainement le voir, c'est Skyfight épisode 1, premier troll. Mais bon, je pense que Para aussi va troller. Quoique après tout, je sais pas. Enfin, il va certainement troller vu que je le connais, mais après, est-ce qu'il va vraiment bien troller? C'est le biome jungle. Moi, le biome dans lequel je voudrais aller, ce serait le biome qui se trouve ici, il me semble. Ici, il me semble. Si on va le voir. Il y a un moment de le voir. Voilà, moi je voudrais aller ici. Parce qu'il me semble qu'il y a un très bon coffre. Pourquoi il n'y a pas eu le time set? Normalement, Param m'a dit qu'il avait mis un éternel dé, ça n'a pas l'air de fonctionner. Faudra aussi que je répare le pont. Enfin. Ouais, que je répare le pont. Ça vaut un diamant. Donc voilà. Donc ça, on s'est mis au courant là-dessus.
Mais faut le réparer, il me semble, avec les mêmes matériaux. Ça, je suis pas sûr. Ah, si. Ça fonctionne. Voilà. J'ai combien de bois? Est-ce que j'ai beaucoup de bois? 9 bois, ça me fait combien ça? 36. 36. D'ailleurs, excusez-moi, on a repoussé le filmage. Tout simplement parce que y a pas si longtemps que ça, j'ai attrapé une vilaine gastro. Mais quand je dis vilaine, je pouvais, enfin, j'arrêtais pas de, je vais pas vous, je vais vous épargner ça, mais je pouvais pas du tout me lever sans, vous avez compris quoi. Donc c'était affreux. Je conseille vraiment jamais d'avoir la gastro. Ok, on y est prêt. Vraiment très près. Là, limite, là, je peux mourir. Je m'en fiche. J'ai rien sur moi. Je pense que ça va être plus. Enfin, c'est vrai qu'une fois que le pont sera réparé, ça va. Le réparer le pont, en fait, ça va avantager celui qui va le réparer vu que. Enfin, je sais pas si par contre le faire. Je sais pas. Mais ça va aussi avantager celui qui l'a pas construit. Tiens. C'est pas moi qui mine ça. On est d'accord. Ok. De toute façon, para a été miné. Moi, je compte miner, bien évidemment. Mais je compte faire des trucs beaucoup plus cachés. Donc on va ramasser du bois, j'aimerais bien commencer à m'établir dès maintenant quoi. Pour que le deuxième épisode commence à miner et à protéger mes ressources. D'ailleurs oui, je vous en ai pas parlé pour la base, qu'est-ce que je compte faire? Oh cool. Hop là. Je pourrais exploiter ce piège peut-être. C'est bon. Plein d'encre noire, c'est bon pour le moral. Voir. Non. Oui. Enfin, je sais plus quoi dire. L'encre, ça ne servira à rien. Ça nous servira à rien vu qu'elle lui aussi, je pense que ça ne servira pas. Mais je vais quand même garder parce que. Je sais. Je vais préparer quelques events de temps en temps, ça va être pareil qui va y préparer. Et je sais pas du tout ce qui pourrait me sortir comme event. Je m'attends bien du style préparer 30 blocs de charbon. Quelques trucs comme ça. C'est pareil, les events, on a clairement pas le droit de faire péter. Ça, on est au courant. Enfin, on est d'accord plutôt. Mais on a tout à fait le droit de faire des events pour le faire. Enfin, qui pourront le faire chier ou non. Ou enfin, si c'est moi qui prépare l'event, un event où je participerai pas. Pas placé sur la verticale. D'habitude, je vais. J'ai vraiment peur que Para me tombe sur la gueule. Enfin. Ouais. Pile à ce bloc. Ok, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Le verre de la victoire. Un bloc d'émeraude. De la glace. Et de la lave. Ok.
assez grandes les bases d'ailleurs. Et on est à 15 minutes. Et bien sûr, sur ce, comme dirait Paradox. Et bien sûr, les amis, on va se dire à la prochaine. Je plagie para. Je commence vraiment à beaucoup troller là. Bon, allez. Bon, bah, on va se dire au revoir parce que ça fait 15 minutes. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qui se trouvent, je sais pas trop où, vu que je suis pas encore vraiment habitué à YouTube. Allez, au revoir tout le monde.